Chers amis de la nature et de la photo, j'ai un paysage en dehors de Séoul à vous raconter. Cet endroit, je vais faire deux vidéos dessus, celle de cette semaine et celle de la semaine prochaine. Celle de cette semaine, je vais vous raconter la randonnée pour arriver ici et comment nous avons pris notre photo du mois devant un rocher spécial. Avant d'arriver à la côte, il faut gravir cette colline pour redescendre de l'autre côté. Par contre, vous l'entendez peut-être en bruit de fond. Nous sommes dans un endroit qui, sur les cartes coréennes, est une forêt, qui en fait est un énorme centre pétrochimique. Donc ça sent pas particulièrement bon là tout de suite maintenant, et surtout ça fait du bruit. J'espère qu'en tout cas de l'autre côté, côté mer, on n'aura plus aucun désagrément de cette nature. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, au mois de mars, presque au même moment de l'année, on est allé prendre une formation rocheuse sur une île sur laquelle on était enfermé pendant quelques heures, le temps que la marée redescende. Et bien ici, c'est aussi un de ces rochers dont la Corée a le secret. Il s'appelle le rocher éléphant parce qu'il fait un peu comme à Étretat, comme ça, avec un trou ici. Et résultat, ça fait un peu comme une trompe d'éléphant. Je vais donc prendre ça pour vous au coucher de soleil. Mais avant, nous allons aussi prendre notre photo du mois. Kolani ! Mettez-y. Comment a le Covid, donc je vais prendre le contrôle. Notre projet de photo du mois post-wedding est expliqué dans cette vidéo en haut à droite. Regardez là après celle-ci. Voilà, arrivé au sommet, maintenant on redescend vers le bord de mer. Ici on est à un endroit un peu particulier, c'est très étrange. À droite il y a les bruits industriels et à gauche il y a le bruit de la mer. Mais bon, on est sous le panneau qui nous dit que ça y est, on va quitter la crête et on va descendre vers Kokkiribari, le rocher de l'éléphant. Je crois que j'entends la mer. Je crois que je vois la mer. Il est là ? Avec le magnifique pain juste au-dessus là, comme je l'attendais. Par contre, on va être obligé de prendre la photo du mois dans l'eau. Hein. Eh ben, c'est pas très très joli. Hein. Je sais pas si en robe de mariée ça va le faire. Thank you.
Bon, on a réussi à escalader ce petit morceau. Et le trou est juste derrière nous. À partir d'ici, c'est pas très compliqué d'y aller, mais le petit morceau où Emine a glissé, c'est vrai que... Et on veut pas tomber parce que sinon, c'est des trucs... Sinon, c'est des rochers vraiment super acérés, ça va faire très mal. Changement de plan, la marée va bientôt redescendre en effet, mais elle est beaucoup trop haute. Souvenez-vous de ça, parce que c'est pas tout à fait vrai. Et habillé en marié, ça va être une galère, donc on va se mettre là et on va prendre les photos là. Pépère. Et histoire de compléter la photo, je vais prendre une longue exposition, genre une seconde, pas si long que ça, de la mer, histoire de la voir un peu moins présente dans la photo, histoire que vous regardiez plus nous et le fond. Vous l'avez vu, finalement la marée ne descendait pas, elle montait. Et je suis donc plutôt heureux que nous nous soyons pas retrouvés où ça, en haut de ce caillou là, parce que on n'aurait pas pu redescendre. Et aussi notre photo du mois nous a pris beaucoup plus de temps que prévu, et le soleil a continué sa course, ce qui fait que je me suis retrouvé à court de temps pour prendre mes photos de paysage du rocher de l'éléphant. Et je vais donc devoir revenir demain. Ce qu'il a fait, mais ce soir-là, il m'a fait attendre dans le froid pour prendre les quelques photos suivantes. Abonnez-vous, commentez et partagez cette vidéo. Merci et coin coin à tous.